Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo de Soccer Star. Et oui, avec mon nouveau Zenfone. Nouveau, non, c'est un nouveau téléphone, oui, effectivement. Mais on s'en fout en fait. On va jouer sur Winter Arena. Winter Arena contre un level 112 faster. Yeah, good. Donc, bah, j'ai posté hier. Alors, c'était assez curieux parce que, pour vous dire la vérité, je l'ai posté, mais je l'avais remonté juste avant. Et du coup, j'avais modifié plein de trucs. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un truc étrange qui a fait que, en fait, le fichier, enfin le montage, c'est celui que j'ai fait tout au début qui est sorti. Je n'ai même pas re-regardé, j'ai tout de suite uploadé sur YouTube. Et du coup, bah, il manque plein de trucs, en fait. Et plein de trucs que j'avais bossé, et finalement, pour rien, quand tu regardes. Putain, je suis dégoûté là, je offre une petite ouverture là. Oh, ça fait du bien de retrouver le petit feutre là sur le côté, hein. Qu'est-ce t'en dis? Bon, une petite ouverture très 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 dangereuse et qui pouvait que mener à des buts. À des buts? À un but. Et ça a été le cas. Donc on est toujours contre Faster Level 112. Faster. Que c'est la première fois que je joue contre lui, hein, d'ailleurs, comme beaucoup de gens, à croire que. Et ça c'est bien, hein, une forte communauté. Vas-y, je tire mal avec ce téléphone. Une forte communauté, oui, je t'ai dit que c'était mon nouveau téléphone. C'est ce qui me permet, non, je vais rebondir et revenir après sur le ballon. Ouais, non, je sais pas. Et puis je trouve que tu vois, de ce côté-là, alors je sais pas si ça va se voir dans la vidéo, et de ce côté-là, on a une plus grande surface. Mais une partie qui n'est pas tactile, l'écran lui-même est vachement glissant, donc ça fait que glissant pour les doigts, tu vois. Donc ouais, c'est pas la même. Voilà, techniquement, il faut s'adapter. J'ai appuyé sur un truc sans faire exprès. Je sais pas. J'ai cru entendre un bruit, j'ai cru entendre un bruit étrange. Donc tu vois, j'ai joué avec mon compte, mon tout premier compte, c'est mon compte de base en fait. C'est avec ce compte-là que sont. Putain, mais merde! Que sont nées mes premières parties de Soccer Star. C'est lui qui est. C'est le plus vieux de mes comptes en fait. Le plus vieux et celui que j'ai le plus entretenu, finalement. Finalement. Bon, ce match est carrément pourri. Donc je vais me concentrer dessus. Ça ne te dérange pas. Et puis voilà. On engage tranquille dans les cages. Il dégage tranquille, sans ménage. Je lui remets dans le petit arrondi pour qu'elle s'arrête devant ses cages, mais malheureusement, ça ne fera pas le taf. Orage. Là, nous allons quand même tenter la pénétration qui se finira par un non. Et donc, à son tour, il va jouer. Et à son tour, il va marquer. Ouais. Bon, c'est pas grave. Écoute, c'était la première, c'était l'échauffement. J'ai pas encore joué de la journée. Hein. J'ai juste joué. Si, j'ai joué en plus. Puisque je vous l'ai dit en plus. J'ai joué. Et ça n'a pas enregistré ma voix. C'était con, mais on entendait que le jeu. J'ai hésité. Je me suis dit, attends, je le remets ou pas? D'ailleurs, les parties que j'ai jouées étaient largement, mais alors largement plus. Oh putain! Ouais, largement plus sympa que celle-là, hein, je te le dis. Hein. Parce que là, normalement, c'était plus haut qu'il fallait taper. Je pense à un truc, que je vous l'ai déjà dit, je crois. Mais il se trouve que. Non, ça va pas être assez fort. Ça va pas être assez puissant, l'ami. Là, par contre, ça peut être top. Tu vas comprendre une fois que je l'aurai fait. Non, mais non. Ouais. Tu dis, mais non, je comprends toujours pas. Je vois vraiment pas ce que. Où tu voulais en venir, José. C'était quoi ton. Là, le pion la touche. Non, même pas. Ça va. Je me suis dit, je suis peut-être pas très chanceux en ce moment. Mais voilà, on peut dire, ouais, il y a des facteurs chance des fois. Donc c'est à lui de jouer. Personne pour qui je ne peux pas lire le nom. Je tente un entre-deux.
connais entre deux? Ça va entre les deux. Tu vois, ça m'évite d'avoir à aller aller casser les cages. Mais bon, ça. Voilà, il y a quand même son inconvénient, qui est le fait de d'avoir un retour de bâton assez dangereux. À lui, ouais, elle n'était pas forcément simple. J'aime pas ce que je fais là. J'aime pas dans le sens où je virais un pion, je sais pas si tu vois, mais qui protégeait cette zone-là. Et ouais, c'est dommage. Qu'est-ce qu'il a été faire là? Bon, ok. Alors j'ai utilisé son pion, je me cogne dessus, ce qui me dévie et ce qui me fait aller dans les cages. Ouais. Ouais. Donc là, nous menons. Oh, bien joué. Ça, c'était pas mal. Alors, j'ai essayé de la remettre pareil, un peu plus au-dessus cette fois, ouais. C'est pas mal. À ton tour, il va l'envoyer. Ouais. Ultra dangereux, le trou est tout petit. Et on le rate. C'est à son tour de jouer. On aurait gagné la partie sinon. Oh là là, comment c'est bien joué. Alors ça, si c'était prévu dans sa tête, c'était super bien joué. J'avoue. Ouais, non, c'était un petit peu plus haut. J'aimais bien comment j'avais fait tout à l'heure. Parce que comment j'avais fait, c'était pas mal. Que là... Ouf. Ouf. Bon. Trouve le bon point d'impact. Le point d'impact est très important. Non, sérieux? Qu'est-ce que tu crées des sondages maintenant, là? Ouais, c'est... Putain, ça m'a... Est-ce que ça m'a niqué mon plan? Eh, il s'est dit non, je vais rester un peu plus longtemps avec lui. Il m'a l'air sympathique. Écoute, je vais essayer de faire passer comme ça, en loose dé, un petit double rebond qui me permet de gagner. Salut à toi, homme au nom inconnu. Enfin, du moins que moi je ne peux pas lire. Je sais pas si vous avez remarqué. C'est souvent les comiques qui commencent leur phrase par ça, mais j'avais rien de comique à dire. Mais je sais pas si vous avez remarqué, il y a eu ça de nouveau. Tu vois ce que c'est? Donc tu vois, pourquoi j'ai joué que 9000? Ah, il faut faire joue et gagne pour y aller. Donc en fait, c'est un classement par pays qui nous permettra après de gagner des trucs. Donc nous, toi qui es sur YouTube et qui es en France, si tu es en France et que tu as le drapeau France sur ton compte YouTube, tu peux jouer et gagner et essayer de faire en sorte que, bah, que voilà, on gagne plein de sous. Je vais refaire mon match Winter Arena, puisque j'ai pas eu le temps de vraiment profiter. Et habituellement, à peine ça sort et je vous sors une vidéo dessus, là, pas du tout. Donc voilà, c'est chose réglée. Ouais, ce tir-là, je ne maîtrise pas encore. Parce qu'on me le fait souvent, là, ce qu'a fait le mec. Sérieux, on me le fait souvent, là, ce qu'a fait le mec. Mais le problème, c'est que j'ai pas encore trouvé de parade efficace et qui marche bien à terme. Il était beau ce but. T'as vu ou pas comment il est rentré pile poil dans le trou du gars, quoi? T'as ce qu'il refait le même pour voir? Non, il refait pas le même. Mais c'est vrai que cet angle-là, il est très traître parce que il faut. Ouais. Parce qu'il revient systématiquement quasiment sur toi. Donc, moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais plutôt là, me mettre safe, tu vois. On la joue safe et puis après, on y va. Donc là, il est en plein questionnement. Est-ce que j'attaque? Mais si j'attaque, est-ce que ça risque d'être dangereux sur... Pas son pion, pas son pion, pas son pion. Non, c'est bon. C'était dangereux, effectivement. C'était dangereux sur le retour. Ouais. Non, mais t'as raison. T'as raison. Donc voilà, ici, cet endroit-là n'est pas l'endroit de renvoi idéal. L'arrondi est trop trompeur. Bon, là, il peut, hein, s'il suit le rail. Voilà, c'est ce que j'aurais fait, ouais, exactement. En te laissant glisser dessus. Erreur de ma part, qu'il a su subtilement utiliser.
à son tour de jouer, Mr. Guest 116, 360, etc. Vous l'avez remarqué, j'ai pas de coupure. Pourtant, je crois que je suis en Wi-Fi en plus. Ah non, c'est parce que je suis pas en Wi-Fi, justement. Je suis en 4G, 4G de Free qui marche très bien, donc pas de souci. Pas de souci. T'as vu, ouais, c'est pas comme l'ancien téléphone, hein. C'est pas tout à fait pareil. Ok. Est-ce qu'on en termine assez rapidement? On en termine assez rapidement. Tout, 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 tout. Est-ce que ça en fait un dernier, les gens? Ça fait combien de temps qu'on enregistre? Voyons voir. 10 minutes. On peut se faire un dernier. Ok, on se fait un dernier. On retourne tranquillement dans notre Winter Arena. Ah, j'hésitais aussi à faire le nouveau tournoi, tiens. Je le ferai la prochaine fois que je ferai une vidéo. Je ferai le nouveau tournoi. Yes, bien placé là. Bien placé. Ah, ça va être intéressant, les amis. Ça va être intéressant. J'aime quand c'est intéressant. C'est le kiff total. Le kiff total pour moi. Ouais, j'ai tenté un peu l'entrée en force. Ça pouvait être risqué. Surtout que le mec est pas mauvais et qui fait des engagements de gros fils de pute. Et moi, hop là! On la vire comme un gros fils de pute. Sauf que s'il est malin, il la remet comme un gros fils de pute. Bien joué. Bien joué, bien joué. Ouais, fils de pute est gentil, hein. Dans mon cas, c'est pas méchant. Ouais. On a voulu faire comme tout à l'heure, on a un peu raté, c'est pas grave. On va se reprendre. Ah, il n'est pas aussi simple que ça à faire ton engagement tout pourri. Oh, comment c'était magnifique ça! T'as vu, on a eu l'impression que la balle, elle a volé quoi. Elle a volé tout du long. Toi, t'as pas eu le bruitage parce qu'on a entendu juste avant, ouais. Ouais, je voulais pas utiliser l'angle parce que je pense qu'elle serait revenue et. Oh, joli, bien joué. Bien joué. Ok. Ok. Bon. Putain. Mec, tu vises trop bien le trou, faut que tu te cales. Ouais, pourtant, c'est bien l'angle, hein, je te jure que je vise, mais. T'aimes bien essayer de mettre tes gros buts de bâtard, là. Tu sais que. Oh non! Putain, mais non! Oh. Il était bon, lui. J'ai envie de rejouer contre lui. Tu crois que je peux lui demander une revanche comme ça? Allez, mec, revanche, 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 revanche. Allez, viens jouer, viens. Viens, allez, fais pas. Allez. Allez, t'as peur ou quoi? Reviens. Allez, on compte jusqu'à 3. À 3, on se casse. 1, 2, 3. Et j'appuie sur le bouton. Et on se casse. Bon, j'en refais une dernière. En espérant que je tombe sur un mec comme lui. Oh non. Bon, j'espère que ton avatar est. Ouais. Est représentatif de ce que tu. De comment tu joues. Ah non, pas vraiment. Les mecs qui se mouillent pas comme ça dès le début, souvent. Souvent, ils sont. Ouais. Ils sont bof. Ouais, les mecs qui font ça aussi. Souvent, ils sont. Ah merde, je la voyais partir de l'autre côté. Ce qui arrange pas mes affaires. Ouais, ce qui arrange pas du tout mes affaires. Parce que là, Morteza, il va se dire, oh bah, c'est bon, je suis fort, il est nul. Non mais sérieux, vos attrapes. Tac, 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 tac. Bon, là de son côté, c'est assez compliqué. C'est la merde ce que j'ai fait juste avant. J'avais pas envie de le commenter. Mais là, ce qui fait aussi, c'est la merde. Excuse-moi, mais. On la met de l'autre côté, ça dérange pas. J'aime bien basculer d'un côté à l'autre, tu vois. Souvent, le mec, tu vois, parce qu'il va défendre d'un côté, mettre un gros mur. Là, en fait, mon but, c'est de casser son mur. Et surtout, le forcer un peu à l'attaque. J'ai deux pions à l'arrière qui me sont fortement utiles, hein, ces deux-là.
Oh, les mecs, quand ils jouent ça là, des fois ils te prennent pour un magicien, ils disent allez, allez, ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe. Tu la mettrais comment là? J'hésite fortement, mais je crois que la meilleure solution. Ouais, non. Je sais pas si l'autre solution était pas meilleure, celle du rebond. Putain, mais il a une putain de chatte, le gars. Il fait n'importe quoi. Et à chaque fois, ça. Ça fait n'importe quoi. Ouais, non, mais. Sinon, la levée un peu plus. Ah là, il la met là. Ouais, il la met facile. Il la met facile. Bon, je disais qu'il n'était pas aussi balèze que celui d'avant. Donc, tu sais ce qu'on va faire. On va la jouer safe et cette fois, on va gagner. Pas genre, on va parler et puis après, on va gagner. Non, on va parler et gagner. Donc, ça veut dire que je vais peut-être me protéger un petit peu plus que ce que je fais d'habitude. Que ce que je fais d'habitude. Et donc, ouais, il faudrait pas qu'il gagne non plus trop vite et de manière trop chanceuse, tu vois. Putain, je suis obligé d'utiliser son pion, j'aurais pas de force. Ah putain, pourquoi ça. Ouais, ça a ripé sur le menu. Aïe 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 aïe. Ouais, c'était prévisible. Morteza a gagné. Et 3-0 en plus, moi qui disais que tranquille, j'allais l'achever le gars. Eh bien non. Eh bien non. Ah oh putain, il m'énerve ce menu sur le côté, je te jure. Je sais pas si vous le voyez, vous. Si vraiment ça enregistre tout l'écran et le menu avec. Tiens, j'ai testé ce jeu. Ah merde, il va me renvoyer dessus. J'ai testé ce jeu, c'est pas mal, c'est un petit jeu de golf. Bon, voilà, quoi, c'est pas. Ouais, c'est pas non plus le jeu auquel je joue constamment, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Tu peux revenir s'il te plaît? Non, ouais, oui et non, c'était là où on était. Bon allez les gens, je vous dis à la prochaine. On est complètement buggé, je sais pas pourquoi c'est là. Ah oui, et kiffez la vie, parce qu'elle, elle vous kiffe.